Oubliez les matchs à Dijon, 1-2, au Vélodrome, 2-2, et au Parc des Princes face à Nice, 3-0, pour Mbappé. Ses prestations moyennes avaient enflammé la presse, tant et si bien que la plupart des médias français voyaient l'ancien monégasque débuter sur le banc face à Anderlecht lors de la 4e journée de Ligue des Champions, 5-0. Contre vent et marée, Unai Emery a confirmé, en le maintenant titulaire, qu'il avait confiance en lui. Et finalement il avait raison. Même s'il n'a pas marqué face aux Belges, sa première période était dans la lignée de ses performances habituelles. Passeur sur le but de Verratti, il a démontré qu'il était encore en jambes, et que physiquement il avait du jus comme l'indiquait plutôt Adrien Rabiot en conférence de presse. Cependant, la deuxième période nous laissait sur notre faim, avec l'impression de ne pas avoir complètement retrouvé le joueur de talent, avec sa fougue et sa créativité sur le terrain.